Bonjour à tous, je suis Vincent, alias Lactic, et je vais vous expliquer comment mettre la carte of Berkman en français. Tout d'abord, pour aller récupérer la carte, vous allez devoir aller sur le site de son créateur, donc Farmer Andy, sur lsfarming-mods.com. Ensuite, vous allez pouvoir la récupérer dans les mods, dans les modes les plus téléchargés, la map of Berkman, ensuite version, et là vous aurez la version la dernière, donc la 1.0.0.8, avec le PDF mais qui est en allemand. Vous pouvez récupérer le PDF en français sur le site universimu.com, et ensuite là vous lancez le téléchargement avec le bouton ici download qui va vous permettre de la récupérer. Vous allez la récupérer en deux parties, deux fichiers rares. Donc moi je vous conseille d'installer le logiciel 7-Zip, donc sur 7-zip.org, d'aller récupérer la version 64 bits ici ou la 32 bits en fonction de ce que vous avez comme Windows. Et ensuite, une fois que vous avez les deux fichiers rares, vous lancez le premier. Et vous allez arriver sur cette version là. Moi j'ai la version supporter qui contient tout en un seul package. Vous avez deux dossiers, extra et mode. Ce qu'il vous faut, c'est récupérer ce qu'il y a dans le dossier mode, tout ça. La carte, elle fonctionne avec ce qui va là. Donc ensuite, dans votre dossier Farming Simulator 2019, qui se situe dans Documents My Games Farming Simulator 2019, moi je vous conseille vivement de créer en fait un sous-dossier avec mod et ensuite underscore les différentes cartes que vous jouez qui sont accompagnées de leur fichier. Là, vous voyez, j'ai créé un sous-dossier qui s'appelle Mod of Berkman. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement ouvert donc le dossier de récupération, donc mode of Berkman, et ici en parallèle j'ai mon 7-Zip ouvert, je clique sur tout ça et je le déplace pour pouvoir alimenter mon dossier. Une fois que vous avez fait ça, votre dossier va être équipé. Maintenant il va falloir récupérer la version française. La version française, elle est dans FAQ, Französische Übersetzung, qui veut dire traduction française. Vous cliquez dessus, French Translation, vous récupérez le lien, ensuite le lien qui est là, et là vous avez un fichier zip l10n.fr. vous cliquez dessus, là il va vous demander de vous enregistrer. Donc si vous n'êtes pas enregistré, faites-le, c'est gratuit, pour vous permettre en fait de le télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez récupérer un fichier zip dans votre téléchargement. Il est là. Vous allez l'ouvrir avec 7-Zip. Ensuite, vous retournez dans votre dossier Farming Simulator Mode of Berkman. Et cette fois-ci, vous ouvrez le zip de la carte. Vous le mettez côte à côte et vous déplacez ce fichier L10N sur la carte. Vous lâchez votre souris et automatiquement, il va vous remplacer le L10N FR par la nouvelle version. C'est tout. Là, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà ma version. Vous avez ensuite, vous cliquez sur Off Berkman, vous pouvez fermer. Il aura mis à jour le L10N et vous pouvez fermer également. Bien sûr, j'ai oublié, mais pour pouvoir alterner entre les différents modes, il faut renommer. C'est-à-dire que par défaut, votre jeu Farming Simulator, il va aller lire ce qu'il y a dans le dossier mode ici. Donc, ce que vous faites, c'est que si vous ne voulez pas jouer avec vos anciens modes et avec des choses qui ne sont pas compatibles avec Off Berkman, vous le renommez par exemple Old et vous renommez Mode Off Berkman avec juste Mods. Et dans ce cas-là, pas de problème, ça va fonctionner, il va utiliser ce dossier pour lancer le jeu. Voilà, c'était tout. À bientôt sur universimu.com.